Cette discipline, d'abord, c'est la prothèse amovible. Elle s'adresse à tous, de 7 à 97 ans. Elle peut être partielle comme complète. Elle a différentes fonctions, différentes techniques. Elle utilise différents matériaux. Elle couvre un champ d'application très vaste. La prothèse amovible doit être incontournable compte tenu d'un contexte politique et économique actuel. La discipline qu'on m'a confiée, c'est celle de la dentisterie restauratrice. Alors, ce que j'ai voulu présenter, c'est à la fois la dentisterie d'aujourd'hui, celle qui se réalise dans nos cabinets, mais aussi celle qui se dessine pour demain, avec une vision donc tournée vers l'avenir. L'objectif du programme de parodontologie et d'implantologie orale, c'était de délivrer aux confrères un message scientifique, mais qui puisse appliquer en pratique clinique quotidienne. Le fil conducteur, c'est la dent. La dent en tant qu'organe biologique, une dent qu'on a cherché à mettre dans tous ses états, dans tous ses états pathologiques. On a cherché à donner toutes les réponses de traitement, préserver, restaurer, maintenir sur l'arcade. C'est l'intégration du flux numérique dans la pratique quotidienne à destination des omnipraticiens. Il y a aussi une séance phare sur la navigation chirurgicale avec à la fois un TP et une séance de chirurgie en direct. C'est une nouveauté avec un masterclass de 6 heures pour offrir aux praticiens la possibilité de maîtriser tous les dessous de l'édentement total et de réussir une prothèse amovible complète. Sur leurs compétences, bien évidemment, également sur leur enthousiasme et sur leur jeunesse d'esprit. Je me suis laissé guider par le talent. Des experts, des orateurs, des cliniciens, surtout, des jeunes, des moins jeunes. Un panel qui va plaire, je suis sûr, à l'ensemble de nos congressistes. On a conçu un programme scientifique à destination de l'ensemble des confrères afin qu'ils puissent utiliser l'ensemble des informations en pratique clinique quotidienne pour améliorer la prise en charge des patients. L'ensemble du comité scientifique a pris beaucoup de plaisir à construire ce programme et je suis persuadé que ça va se ressentir dans le congrès et dans les séances. L'ADF cette année, c'est un grand bain de formation pour continuer à aimer sa profession. On refait rien ? Non, ça vous plaît pas. Vous avez fait la moue. Moi, si vous faites la moue, je m'arrête. Hein. Vous avez fait une moue ?